T'as bien pris l'enclume, Thomas. Thomas, tu as l'enclume, Thomas. Thomas, jure, t'as pas pris l'enclume. Mais t'es con ou quoi? J'ai envie de t'insulter, t'es grand mort là. Arnaud, T'es prêt? Oui. Tu voulais une maison pour ranger le stuff? Et ben voilà ta maison pour ranger le stuff. Oh, t'as commencé à faire une maison? Ouah, mais attends, le spot est trop stylé par contre, l'endroit. Par contre, la maison est horrible, c'est hors de question qu'on la laisse comme ça. Regarde, Arnaud, il y a une toiture, mi-pierre, mi-bois. Eh ben tu sais quoi, toi tu te feras une maison et moi je vais me faire une maison ici après. Comme ça, on en aura une chacun. Ah, tu veux vraiment pas mettre les pieds dans ma maison? Non, vraiment, elle est pas très belle. Mais viens, viens, elle est fonctionnelle, hein. Vas-y, fais voir. Là, il y a un sas à l'entrée. Mais Thomas, c'est le placard d'Harry Potter. Il y a un lit pour sauvegarder. Elle est rétiquée. Moi, elle sera par là. Du coup, je vais poser mes coffres ici. Mais j'avais fait la maison pour toi. Non, t'inquiète. Mais Arnaud, mais oui, attends, pourquoi tu te casses, wesh? Mais comme j'ai ça, on aura deux maisons à côté, ça sera trop beau. Mais j'ai mis toute mon âme pour faire la maison, tu préfères te mettre dehors? Pour l'instant, t'as même pas un mur. Fout un coffre là-bas. T'inquiète, mon ref. Il y avait un lit, du bois, il y avait tout, Arnaud. Pourquoi tu pars? T'inquiète, ne te prends pas la tête pour rien. Thomas, j'ai un énorme problème. Thomas? C'est plus mes oignons. Non, Thomas, t'es vexé. Mais Thomas, tu vois bien que ta maison est trop petite pour qu'on y vive à deux. Il y a de la place. Il y a un lit chacun. Il y a ça en haut, c'est fonctionnel. Il y a une table de craft, un coffre. Que demander de plus? Un espace personnel. Voilà ce qu'on pourrait demander de plus. Mais on peut tous partager, Arnaud. Tu as trouvé le portail alors ou pas? Non, j'ai trouvé juste l'entrée du truc. Ah oui, ouais, t'as trouvé l'entrée, ok, parfait. Tu te rappelles où c'est? Oui. Bah, dès que t'arrives, on y va. Ouah, c'est trop stylé l'accès. Comment tu l'as trouvé? C'était déjà ouvert? Un tout petit peu, mais après, j'ai trouvé. Je suis tombé dessus par là. Ok, donc ce qu'il faut qu'on trouve là, c'est un portail. T'as deux grottes. Enfin, deux bibliothèques dans lesquelles il y a beaucoup de livres normalement et des coffres potentiellement. Et il y a rien d'autre de très intéressant en général, hein, à part le portail. Tu vois, normalement, il y a des barreaux comme ça près de l'endroit de l'accès. Il y a R. Faut qu'on retourne sur nos pas, là y'a que dalle. Putain, il y a mon petit. Mais il a déjà grandi, wesh. Ça y est, il est adulte. Je suis fier de lui, ouais. Bon, on les voit pas grandir, c'est abusé, hein. Non, je l'ai pas vu grandir. Putain, y a rien. Putain, ça rend ouf. Mais attends, c'est fermé partout, c'est quoi cette merde? Vas-y, bah, faut retourner au point de départ. Tu te rappelles où c'est ou pas? Ouais. Vas-y, bah go. Thomas, il y avait du vide. J'ai pris bien cher là. C'est terriblement dangereux ce truc. Arnaud, là par contre, il y a des. Waouh! Wow, enchanté, recul 2, châtiment 4, infinité, efficacité 3. Oh, infinité, c'est vraiment nice par contre. Si t'as infinité, tu devrais aller le mettre maintenant avant qu'on aille faire le dragon. Aura de feu 2, solidité 3. Oh lolo lolo lolo. Ah, oh, c'est ma musique préférée qui m'est. Oh, elle est belle! Recul 2, châtiment 4, infinité, efficacité 3. Tu mets ton arc dedans et tu fais. Oh, j'ai pas donné de nom à l'arc. On s'en fout. Putain, mais il est où ce portail de merde? Thomas, je vais câbler là. Bah, Thomas, mais ton chien il m'attaque! Putain, il veut quoi ce bâtard? Arrête! Bah, il m'attaque! Mais wesh! Pourquoi tu l'as tué? Mais parce qu'il m'attaque! Et ben, chill, il va pas te tuer! Bah, si, il me saute dessus en boucle! Il t'a attaqué parce que tu l'as frappé! Mais j'ai pas fait exprès, mais. Bon, on en trouve un autre. C'est sincère d'avoir tué mon chien là? Il l'a cherché. Mais non, il t'a mis un coup de crotte, tu l'as tué! Il est mal dressé, il me saute à la gorge, c'est quoi ce clébard? Thomas, j'ai trouvé! Oui! Thomas, faut qu'on imprime les coordonnées là. Thomas, t'es prêt? Attends, bah du coup on pose le lit, non? Bah attends, je vais faire un coffre aussi, je vais mettre des trucs. Viens voir! Oh, let's go! Ok, tombe pas dans le vide, d'accord Thomas? Non, c'est perdu, le stuff à jamais. Bah sinon, là c'est fini là. Il va y avoir le dragon qui vole, regarde, reste là en sneaky. Tu vois les tours? Sur les tours, il y a des espèces de trucs lumineux, ok? Ça, il faut que tu tires dessus à l'arc, le but c'est qu'on les pète tous. Le premier truc c'est ça, sinon on pourra pas tuer le dragon parce qu'il se régénère avec les tours. Okay. Là, autour d'un truc, avec nos blocs, on va créer un petit truc, tu sais, de 2 de hauteur pour se réfugier si tous les Endermans nous courent après. Ok, si les Endermans nous courent après, on viendra se mettre là-dessous en cachette. Ils nous attaquent là? Non, tranquille. Là, faut tirer sur les trucs en haut des tours. Il y en a qui sont protégés par des blocs, non? Ouais, il faudra monter pour les chercher. Mais toi, c'est mieux si c'est toi qui fais ça en vrai, vu que t'as infinité. Vas-y, je vais m'occuper des autres, moi. Là, on peut se balader et détruire. Le dragon nous attaquera pas? Si, il peut t'attaquer. Wesh. Mais attends, mais j'ai jamais regardé les Ender, ils sont 4 sur mon dos. Ah oui, bah Thomas, là, c'est dangereux, hein. Faut que tu fasses attention. Ok, Thomas, je crois qu'on les a tous. On peut commencer à le bastonner et s'il se pose au milieu, on lui met les lits sous la bouche. Il devrait pas tarder à se poser, je pense, hein. Il va se poser, Thomas. Je suis prêt à le cueillir. Faut que tu me défendes. T'as vu le tarif qu'il a pris? Thomas, il est bientôt mort. Je lui mets tarif. Enchaîne, t'es bien. T'es ultra bien, Thomas. Mais on va l'avoir à la flèche, hein. On aura mis qu'un seul lit. Thomas, plus que 2 flèches, il meurt. Je te laisse mettre la dernière, Thomas. Ok. Thomas, oui. Ouais. Thomas, tu l'as eu. Et là, regarde tout l'XP. Prépare-toi à courir dans les petites boules vertes. Et regarde ton niveau. Allez, ramasse l'XP. Ramasse l'XP, Thomas. What? T'es niveau combien, Thomas? 45. Je suis niveau 58. On l'a éclaté. Prends une perle dans ta main et jette-la dans le carré au milieu.
Wesh, attends, j'ai pris super cher là. Jette la perle dans le truc. Et là, en gros, le but du jeu, c'est qu'on trouve. Il y a un portail là-bas aussi. Ouais, mais on s'en fout, ça sera pour rentrer à la maison. Là, tu vois, c'est pour ça qu'on a besoin de plein de blocs. Là, avec les blocs, on doit faire un pont, tu vois, pour aller de l'autre côté de la terre. Ou alors, on jette un œil. T'as un œil sur toi ou pas? Oui. Vise pas trop haut et jette de l'autre côté. Genre vise au niveau des arbres. Tu vois les espèces d'arbres tout foncés là? Tu vises en haut des arbres tout foncés. Et ça va te faire atterrir de l'autre côté, t'as vu? Ok, voilà, t'as compris. Tu le fais que quand t'es vraiment sûr de toi à 200%, ok? Parce que si tu tombes dans le vide, là, si vraiment c'est pas une bonne nouvelle. Et là, du coup, bah, faut juste qu'on marche jusqu'à ce qu'on voit un bateau qui apparaît dans les airs. Oh! Regarde! Quoi? Tu vois pas droit devant? Je peux pas lever les yeux. Mais si, regarde un peu en haut! Wow, c'est beau! Ouais, c'est super beau. Bah, c'est ça qu'on cherche. Sauf que là, y a pas de bateau, donc ça veut dire qu'il y aura pas d'élytre. Mais il y aura tous les autres coffres. Là, on va sûrement trouver du stuff de fou. T'as bien pris l'enclume, Thomas? Thomas, tu as l'enclume? Thomas? Thomas, jure, t'as pas pris l'enclume? Mais t'es con ou quoi? J'ai envie de t'insulter, t'es grand mort là. Il m'a dit de tout vider sauf la bouffe. Mais espèce de con, tu crois qu'on a fait l'enclume pourquoi? C'est pour je ça que je voulais pas que tu la prennes. Mon ami est trop bête. Y'a rien d'autre? Oh, y'a le bateau avec les élytres, oh mon dieu Thomas. Tiens, là on pète le mur, on récupère notre flotte et viens, on se met à l'abri. Et là au bout, t'as des coffres avec une shulker au milieu, il faut la tuer. Et là, t'as les premières élytres, ici, hop. Et dans les coffres, des trucs normalement. Mais parfois, c'est éclaté. T'avais quoi dans celui-là? Des bottes en fer, protection 3, solidité 3. Et y'avait rien en diamant? Non. Mec, on a vraiment la poisse par contre. Du coup, bah, on face nord et on se casse. Je le tente de là. Bah, salut mon pote, tu veux me donner ton stuff en diamant d'abord? Je peux tenter de là, je le sens en vrai. Bah, donne-moi ton stuff en diamant. Non, non, regarde, en sautant, ça lance. Thomas, je te jure, donne-moi ton stuff en diamant. Vas-y, recule, pars, vire tous tes trucs chers, donne-les-moi. Et après, tu testes ce que tu veux. T'as réussi? Oui. Faut sauter, saute! Tu m'as fait peur parce que là c'est toi qui avais tout le stuff. C'est drôle que toi tu loupes. J'avoue, je me suis jeté sans réfléchir. C'est quoi cet ender qui pue la merde? Explique-moi Thomas, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un ender aussi nul à chier? Alors ça? Ça me paraît un peu loin là. Si, avec de l'élan. Non, attends. J'ai envie de tenter, mais je pense que c'est une connerie. Ça fait chier de mourir comme ça. Vas-y, je tente, avec l'élan. Non, ça passe, tu penses? Non, Thomas, en vrai de vrai, je pense que ça passe, mais j'ai pas envie de tester, j'ai peur. Ça passe pas là. Moi, je pense que ça passe. Là, d'ici, ça passe tous les jours par contre. Si, ça passe. J'espère. Ok, tombe pas dans le vide. Tu le fais que quand t'es vraiment sûr de toi à 200%, ok? Parce que si tu tombes dans le vide, là, si vraiment c'est pas une bonne nouvelle. Thomas, t'as fait quoi toi? T'as essayé ou pas? Non. De mon point de vue, vraiment, en plus, il y a une musique un peu triste au piano. Je t'ai vu sauter. Je t'ai vu là contre le mur et tomber dans le vide sur du piano. Putain, on aurait dû y aller en même temps. Vas-y, tu veux que je tente aussi? Ouais. Let's go, c'est passé. Oh, il y a un portail juste à côté. Mytho. Ouais, j'ai menti. Ok, je me suis dit, attends, là, c'est vraiment le sort qui s'acharne de ouf. Vas-y, c'est pas possible. Bon, les gars, j'espère que vous avez bien aimé le live, en tout cas. Il est de toute façon l'heure que j'aille manger, donc c'est parfait.